Bonjour. Il y a quelqu'un? Oui. Comment allez-vous ce matin? Bien, bien, merci. Alors, vous voyez, une petite nouveauté. Serge et Fabien ne sont pas là, vous le saviez. Et ma foi, je suis de corvée, entre guillemets. Je suis de. Je suis là pour faire la louange tous ensemble. On est ravis, en tout cas, de vous voir ce matin. On est vraiment ravis de pouvoir louer le Seigneur ensemble. On est très contents aussi d'accueillir nos amis qui sont sur Internet. Et on vous souhaite la bienvenue. Et on va pouvoir peut-être se lever pour prendre le premier chant. Comme un rocher, un refuge.
quoi ? Un refuge dans la tempête. Applaudissez le Seigneur. Amen. Matin, on est vraiment là pour venir le louer, pour venir l'adorer. Et nous ici sur l'estrade, vous voyez, on fait quelques notes. On est là vraiment aussi pour servir le Seigneur. On est aussi vos serviteurs. On est vraiment là pour que tous nous puissions rentrer dans sa présence, dans cette louange, dans cette adoration. Alors, on peut lever les mains et chanter qu'on est vraiment dans sa présence et qu'on veut vraiment le suivre ce matin. Good.
cela comme une prière. Voyons ce qu'on chante. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Je t'aimerai plus que ma vie, te servirai malgré le pire. Jésus, je te Est-ce que vous allez bien? Est-ce qu'on se sent bien dans sa présence? Amen. Est-ce qu'on va chanter à présent que on va célébrer notre Dieu, on va lui dire ô combien il est grand. Tout ce que nous chantons, faites-le vraiment comme une prière et remémorez-vous ce que Dieu a pu faire de grand chez vous, dans votre vie. Je prenne la bonne tenace, sinon ils vont râler. Chantons-le combien Dieu est grand.
On peut aussi, si vous le souhaitez, pendant quelques instants, dire combien Dieu est grand à travers nos prières. Que ceux qui le veulent prennent aussi ce moment-là pour élever la voix, pour célébrer notre Dieu. Nous allons chanter voir à l'Éternel. Vraiment, libérez-vous de ce que vous pouvez entendre à côté de vous. Vous êtes l'air vraiment, comme si vous étiez seul. Vous pouvez lever les mains, chanter de tout votre cœur. Ce n'est pas nous qui nous regardons, c'est le Seigneur qui vous regarde. C'est lui qui vous regarde aujourd'hui, à cet instant. C'est à lui qu'on donne ce sacrifice de louange, d'adoration. C'est à personne d'autre. Ce n'est pas une question de capacité, de savoir-faire. C'est une question du cœur. Est-ce qu'on a le cœur, un cœur suffisamment pur, suffisamment fervent pour venir louer notre Seigneur, pour l'adorer ce matin ? Chaque phrase que nous prononçons dans ces chants-là, ben vraiment, que ça résonne comme une prière et que vraiment notre Seigneur les accueille avec bienveillance et avec joie. Chanterai gloire à l'Éternel, chanterai louange à son nom.
chanterai Dieu à mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Encore, je chanterai. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si t'es difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de we'll be right back.
C'est vrai. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est là. Alléluia. Dieu est avec toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous, pour commencer ce moment de la scène du Seigneur, j'aimerais partager l'évangile de Jean,
le chapitre 13, à partir du verset 21. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, « en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant qu'il parlait. Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ses disciples, s'étant penchés sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est ?» La scène présentée dans ce chapitre se situe quelques heures avant la fête de Pâques. Et en ce moment-là, Jésus manifeste encore une fois son amour inconditionnel pour les siens. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Et puis, lors de sa dernière scène avec eux, il fut troublé en son esprit à cause de la trahison qu'il allait vivre. Le Seigneur a dit à ses disciples, « L'un de vous me trahira. » Un mot solennel qui inquiète tout le monde. Un poids écrasant qui s'abat sur le cœur de chacun. Mais Jean appelait aussi les disciples que Jésus aimait. Il n'était pas inquiet. Il ne semblait pas être trop inquiet. Il était prêt du Seigneur. La parole nous dit au sein de Jésus. Jean n'était pas trop occupé par lui-même, mais il pense à celui qu'il aime. Il est dans ce lieu béni où on peut profiter d'une communication profonde avec le maître. Il était capable d'entrer en dialogue avec Jésus pour obtenir une réponse, la réponse attendue. Tel que nous dit le psaume 25-14, le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. Et Jean occupait une place privilégiée, oui, où l'on peut recevoir des révélations de la parole de Dieu, du Seigneur, la même place que Marie avait aussi choisie. Jean avait profondément conscience de l'amour que Jésus témoignait à ses disciples. Et il est à noter que Jean ne se nomme jamais dans les évangiles, car l'amour ne fait pas publicité pour lui-même. Jean préfère s'appeler les disciples que Jésus aimait, non dans un sentiment d'exclusivité, comme si Jésus l'aimait plus que les autres, mais dans un sens d'universalité, car Jésus aime celui qui le suit. En d'autres termes, Jean avait compris la dimension de l'amour de Jésus. Se coucher sur la poitrine de Jésus, c'est être si proche de lui que son amour inonde nos cœurs. Se coucher aux seins de Jésus parle aussi de l'adoration, d'une adoration profonde et de simplicité en même temps. On pourrait dire que c'est la meilleure place que nous pouvons occuper sur cette terre, au sein de Jésus. Et c'est pour cette raison, on n'est pas étonné de voir que plus tard, c'était Jean qui avait reçu les révélations du livre de l'Apocalypse. C'est Jean qui parle aussi de l'adoration en esprit et en vérité. Et on également que les lettres de Jean sont imprégnées de l'amour de Dieu. Jouir de l'amour du Seigneur, apprendre à accepter son amour, produit de bons fruits et des résultats concrets sur nos vies. C'est à celui qui se réjouit de son amour, à celui qui est enraciné et fondé dans l'amour, que le Seigneur confiera ce qui lui est le plus précieux sur terre. Et aujourd'hui, ce n'est pas à nous, son Église, qu'il a choisi pour aimer. Tel que dit Éphésiens 5, 25, Jésus a aimé l'Église et il s'est livré pour elle, parce qu'il nous aime. Oui, il nous aime avec un amour
éternel, avec un amour profond et personnel. Dieu nous aime dès avant la fondation du monde, depuis l'éternité passée et dans l'éternité future. Comme l'a dit un grand revivaliste Charles Wesley, il nous a aimés. Il nous a aimés parce qu'il a voulu nous aimer. Dieu est amour. Et lorsque nous vivons dans son amour, nous trouvons tous nos besoins satisfaits. Or, si bien cette grâce nous présente un amour qui n'attend rien de nous, un tel amour mérite une réponse appropriée de notre part. Son amour en nous doit être le moteur, qui nous pousse à faire sa volonté. Ça doit être notre motivation pour vivre une vie agréable à ses yeux. Et ce matin, lorsque nous allons participer à ce moment de la scène, nous pouvons nous réjouir de cet amour de Dieu et lui être reconnaissants. Nous pouvons lui dire, Seigneur, je vais choisir la bonne place, comme Jean, il avait choisi. Je veux être près de ton cœur. Je veux être près de toi, Jésus. Et j'accepte et je reçois cet amour que tu as pour moi afin de pouvoir t'aimer en retour. Je termine par les mots d'un poète anonyme qui reflète ce qui devrait guider notre approche de Dieu. Il a dit, « Je ne suis pas ému, mon Dieu, pour vouloir le ciel que tu m'as promis, ni par l'enfer si redouté, pour cesser donc de t'offenser. Cela me meut, Seigneur, de te voir cloué sur une croix et moqué. Cela me meut de voir ton corps si blessé, de voir tes affronts et ta mort. Enfin, ton amour me touche. Et d'une telle manière que même s'il n'y avait pas de paradis, je t'aimerais. Et même s'il n'y avait pas d'enfer, je te craindrais. Tu n'as pas à me donner parce que je t'aime. Car même si je ne recevais pas ce que j'espère, je t'aimerais tout autant que je t'aime. Gloire à Dieu. On prie. Alléluia. Nous te remercions, Seigneur, parce que c'est grâce à ton amour qu'on est là. Merci pour ton amour, pour ta fidélité, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à grandir dans la connaissance de ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Bon, c'est une bien. Je veux être en sa présence pour le connaître, pour mieux l'aimer. Je veux être en sa présence pour découvrir que l'éternité. Je veux être en sa présence pour le connaître, pour mieux l'aimer. Je veux être en sa présence pour découvrir que l'éternité. Je veux être en sa présence, car j'y retrouve ma liberté. Je veux être en sa présence, rien dans ce monde ne peut la remplacer. Je veux être en sa présence pour le connaître, pour mieux l'aimer. Je veux être en sa présence pour découvrir que Dieu est éternité. Je veux être en sa présence,
peux la remplacer. Je veux être en sa présence, car j'y retrouve la liberté. Je veux être en sa présence, rien dans ce monde ne peut la remplacer. Je veux être en sa présence pour le connaître, pour mieux l'aimer. Je veux être en sa présence pour découvrir l'éternité. Je veux être. Merci, vous pouvez vous en prendre place. Une fois encore, merci aux musiciens qui ont été formidables. Merci à vous aussi. Vous pouvez vous applaudir parce que vous avez entendu d'ici. Bravo. Bienvenue à tous qui êtes présents. Bienvenue aussi aux internautes qui nous regardent. Voilà les annonces de la semaine. Spark Bible, mardi matin, 7h30, pour les lève-tôt. Réunion de prière, mercredi, par Zoom, à 19h30. Le comptoir aux vêtements, ouvert encore ce samedi, de 9h à 11h. Ce sera le dernier samedi. Ensuite, on aura relâche pendant 2 mois et on rouvrira le 3 septembre pour la braderie et vide-grenier. Samedi prochain, culte à 19h. Ne venez pas le dimanche. Notez bien que c'est samedi. Aujourd'hui, c'est une fête un peu particulière. Est-ce que vous savez quelle est la fête ? Ce qui l'ont fête aujourd'hui ? Les papas ? Les papas. Tous les papas. Les papas jeunes, les papas moins jeunes et les papas âgés. On veut oublier aucun papa. Soyez vraiment bénis, les papas. Et occupez votre place, les papas. Nous avons aussi les salutations de Serge et Fabienne, qui sont au soleil, un peu loin de nous. Ils sont actifs, ils visitent les églises, ils apportent des messages, ils encouragent aussi et... Voilà. Il nous manque aussi, non ? Un petit peu. Amen. Tu nous manques, Fabienne et Serge. Oui, je voudrais encore prier pour l'offrande. L'offrande, c'est quelque chose d'important parce que Dieu nous comble chaque jour de notre vie et nous voulons lui rendre une part de l'offrande. Mais Seigneur, nous t'apportons cette offrande que nous mettons à part pour toi. Et nous voulons la porter de bon cœur. Je crois que j'ai tout dit.
J'ai rien oublié. C'est bon? Amen. Amen. Soyez tous bénis. C'est bon. Ah, ça marche. Merci à ma chère étendre pour les présentations des annonces. Ok, alors, est-ce que vous avez vu le titre du message d'aujourd'hui? Non. Le titre, c'est une question, en fait. C'est comment fonctionnes-tu? Parce que, en fait, nous sommes appelés à fonctionner dans le royaume des cieux. Il n'y a pas de chômeur. Il n'y a pas de chômeur dans le royaume des cieux. Nous sommes tous appelés à être des fonctionnaires. Alors, je sais qu'en France, on est, je ne sais pas combien de millions de fonctionnaires. Et d'après certains échos, eh ben, tous ne sembleraient pas fonctionner comme ils devraient. C'est pour ça qu'il en faut toujours davantage, afin que le travail puisse être accompli. Mais ça ne devrait pas être le cas dans le royaume des cieux. Nous sommes tous appelés à être des fonctionnaires à plein temps, actifs et efficaces. Alors, je vais chausser mon vélo, ça ira mieux. Donc, la question, c'est comment fonctionnes-tu? Parce que lors de la création, Dieu a créé l'homme d'une certaine façon, d'une façon structurée et ordonnée, afin qu'il puisse vivre une vie libérée de toute contrainte inutile et fastidieuse. Il avait prévu en fait le meilleur pour nous. Et surtout de pouvoir vivre une vie en communion avec son Créateur. C'est ce qu'il désire avant tout, parce qu'il nous aime et il désire avant tout nous sauver et que nous profitions de toutes ses grâces et bontés pour ses enfants. Mais pour cela, il faut que nous apprenions à bien communiquer avec lui et fonctionner. Vous savez que la communication ainsi que les relations humaines, eh bien, auxquelles elle est étroitement liée, sont un sujet aussi vieux que l'humanité et qui n'a toujours pas trouvé de solution. Pourquoi? Eh bien, parce que nous sommes tous différents, nous pensons différemment, nous voyons midi à notre porte, nous refaisons le monde autour de notre nombril et on aimerait tant aussi changer les autres afin qu'ils nous ressemblent à nous. Mais malheureusement, ça, c'est une chose impossible. Et on devrait aussi pouvoir se remettre en cause nous-mêmes afin de pouvoir nous mettre au niveau des autres, afin de faciliter cette communication. Ce n'est donc pas une chose innée et naturelle chez l'homme que de communiquer avec son prochain d'abord, et puis aussi et surtout son Créateur. Or, nous avons besoin de bien fonctionner dans nos rapports avec lui. Et dans le monde, il n'y a pas que les fonctionnaires qui sont appelés à bien fonctionner, il y a aussi les enfants de Dieu qui sont invités à avoir avec leur Créateur une relation privilégiée. De même que dans une maison, nous avons une certaine façon de gérer, de prévoir, d'anticiper, d'arranger les choses, de réagir, de manager notre confort afin que notre vie soit le meilleur possible, si on ne veut pas que notre maison ressemble à ça. J'ai déjà vu pire que ça. Ah oui, ça c'est encore un désordre ordonné, on va dire. Mais j'ai déjà vu pire que ça. Alors nous avons tous envie de vivre une vie qui soit harmonieuse, équilibrée, sans mauvaise surprise. Une vie dans laquelle, comme on dit, tout baigne. Tranquillou, bilou, comme on dit. Mais ça ne fonctionne pas toujours comme ça, comme on voudrait, même si on a remis toute chose entre les mains de notre Créateur. Pourquoi? Eh bien, parce que Dieu a sa façon de fonctionner et nous avons la nôtre. Et notre mode de fonctionnement diffère souvent, beaucoup, du mode de fonctionnement de Dieu. C'est ce que nous rappelle Ésaïe 55, verset 8. « Car mes pensées, dit-il, ne sont pas vos pensées,
et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Dieu voit bien plus loin que nous. Il pense différemment. Il connaît l'avenir. Il connaît ton avenir. Et c'est pourquoi ça peut souvent et parfois et même souvent coincer. Une explication à tout cela est que nous fonctionnons trop souvent par la chair. Or, Dieu nous a donné le Saint-Esprit afin que nous puissions interagir avec lui pour la bonne gestion de notre vie. Par quels moyens Dieu se dispense-t-il, c'est-à-dire se manifeste-t-il à l'homme? Eh bien, par la Trinité. Nous allons voir ça sur la diapo. Alors, cette diapo nous montre que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas trois dieux différents, mais un Dieu unique qui s'exprime en trois personnes. Pourquoi en trois personnes? Eh bien, parce que par ce principe, Dieu peut se manifester pleinement en nous. 2 Corinthiens 13:13 nous rappelle que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Dieu est la source, Christ est l'expression de Dieu, il représente son amour, et le Saint-Esprit est le canal de transmission qui apporte tout ce que Dieu veut nous donner, c'est-à-dire la vie, avec un grand V. Ainsi, les trois personnes de la Trinité deviennent les trois étapes successives dans ce que Dieu désire faire avec toi. Et elles rendent possible la réalisation de la volonté de Dieu dans ta vie. Dieu le Père, est la source universelle de toutes choses. Il est invisible et inaccessible. Alors, me direz-vous, comment pouvons-nous voir un Dieu qui est invisible? Et comment pourrait-il se dispenser en l'homme? Eh bien, Dieu a trouvé un arrangement. Dieu a toujours une solution pour nous. Pourquoi? Parce qu'il nous aime et voulait absolument nous sauver. Pour cela, il s'est déposé dans le Fils, afin de devenir disponible pour l'homme. Et tout ce que Dieu peut et veut nous donner, eh bien, nous est accessible par le Fils. Quel privilège nous avons là de pouvoir bénéficier de toutes ces bontés en Christ. Amen. Dieu s'est incarné dans le Fils et il est devenu accessible à l'homme qui peut désormais voir le Père, le toucher et communiquer et communier avec lui par le Fils. Et puis nous arrivons à la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Jean 15, 26 nous dit « Quand sera venu le Consolateur, c'est Jésus qui parle, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Jésus-Christ et le Saint-Esprit ne sont jamais séparés. C'est 2 Corinthiens 3, 17 qui nous le dit, où Paul nous dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. » De même, les trois personnes de la Déité sont l'Esprit. Et de la même façon, l'homme est également composé de trois parties. Ça vous le savez aussi. Âme, corps et esprit. L'Esprit nous a été donné afin que nous puissions communiquer avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Il se subdivise également en trois parties, la conscience, l'intuition et la communion. L'âme de l'homme se compose également de trois parties, volonté, intelligence et émotion. Et puis nous avons bien sûr le corps, ce corps qui est visible et qui est appelé un jour à disparaître, mais nous avons une espérance éternelle auprès du Seigneur. Amen. Et Dieu nous demande de veiller jalousement sur notre être tout entier. C'est ce que nous rappelle 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous en conclurons donc que le Père est dans le Fils, que le Fils est dans le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit est en nous. Amen. Et qu'il nous transmet en permanence la vie
et tout ce que Dieu veut nous faire connaître de sa personne. Nous allons maintenant voir, on arrive maintenant au point central du message, nous allons maintenant voir la façon de bien fonctionner avec le Seigneur et nous allons voir un verset clé dans 2 Corinthiens 5, 7 qui nous dit que Paul nous dit « car nous marchons par la foi et non par la vue ». Nous avons là deux principes de vie chrétienne totalement opposés. Et auquel des deux allons-nous faire confiance ? La réponse est déjà dans la question, parce que si nous faisons confiance au Seigneur Jésus, eh bien, nous marchons aussi avec lui. Nous marchons aussi avec lui. À ce moment-là, nous avons aussi à lui faire confiance. Et marcher par la foi commence à partir du moment où tu commences à entendre la parole du Dieu vivant nous parler. Marcher par la foi, c'est avoir une confiance absolue dans la capacité de Dieu de diriger ta vie, nos actes quotidiens, même dans les plus petits détails. Une personne que j'avais un jour rencontrée et à laquelle je lui proposais de prier pour un détail de sa vie, elle m'a répondu, mais écoute, non, laisse tomber. On ne va pas déranger le Seigneur pour un si peu. Ce n'est pas la peine. OK. Mais Dieu est sensible aux moindres détails de ta vie. Et Habacuc 2,4 nous dit que le juste vivra par la foi. Dans le mot « vivre », il y a « vie ». Nous avons donc, par la foi, nous avons la vie. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et Dieu nous demande aussi de marcher par la foi. Car ce que recherche Dieu en nous donnant le salut est avant tout que nous ayons une connaissance personnelle et profonde de sa volonté et de sa personne. Le croyant ne marche donc plus alors dans la connaissance du bien et du mal, mais il marche dans le plan de Dieu. Même si un homme parvenait à faire tout ce qui est bien en se détournant du mal, il ne serait pas pour autant en train de marcher avec Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Et il est impossible d'avoir la foi si Dieu ne nous parle pas au travers de sa parole. En opposition, marcher par la vue ou par la chair, c'est pareil, c'est marcher selon des critères qui ne viennent pas de Dieu, mais de l'homme. Lot, le neveu d'Abraham, en est un exemple. C'est relaté dans Genèse 13, 10, parce qu'Abraham et Lot avaient un différend, il y avait un conflit là au sujet des troupeaux. Et Abraham a dit à Lot, écoute, si tu vas à droite, moi j'irai à gauche, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Donc ils sont montés sur la montagne et puis Lot, il a vu la plaine du Jourdain qui était arrosée, qui était comme un jardin de l'Éternel. Et il a dit, moi je choisis cette partie-là. Ouais. Et bien, sauf qu'il avait fait le mauvais choix. Ça l'a amené à des endroits, vers des endroits, dans des villes peu recommandables. Et Abraham, lui, il est resté sur les hauteurs, en sécurité spirituelle. Donc, marcher par la vue ou la chair ne concerne pas seulement ce que voient nos yeux, mais englobe aussi tout ce que nous pouvons entendre, toucher, ressentir, conclure. Et c'est par tout cela que notre foi peut être malmenée. En fait, la principale clé de la réussite d'une vie chrétienne épanouie et conforme à la volonté du Seigneur, nous la trouvons à l'origine déjà à la création dans le jardin d'Éden, là où Dieu avait déjà tout prévu, tout ce qui est bon pour sa créature faite à son image, l'homme. Dieu ne fait jamais des choses à moitié, mais nous trouvons cette clé au chapitre 3 de la Genèse. C'est l'histoire de la chute, que nous avons déjà lu et relu à maintes reprises. Nous savons tous qu'Ève a été séduite par le serpent et qu'Adam en a mangé aussi. Ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
chose qui était absolument interdite par Dieu, parce qu'on pouvait manger de tous les arbres du jardin, mais sauf de cet arbre. Donc, ils ont transgressé l'ordre de Dieu qui a dit, le jour où tu en mangeras, eh bien, tu mourras certainement. C'est-à-dire d'une façon certaine. Ce n'est pas le mot certain comme certainement comme on l'emploie. D'une façon relative dans la langue française, mais d'une façon certaine, à coup sûr. Donc ces deux arbres qui étaient là dans le jardin, c'est-à-dire l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sont déjà toute une parabole pour nous. Elle nous montre que l'homme peut fonctionner selon le principe du bien et du mal, ou alors, et c'est beaucoup mieux, selon le principe de la vie. A contrario, lorsque nous acceptons Christ dans notre vie, le Saint-Esprit commence son travail de restauration dans notre cœur. Et cela va se voir tôt ou tard à l'extérieur. Nous ne pensons plus de la même façon, notre langage et les mots que nous employons sont sanctifiés. C'est ce que Christ reprochera aux pharisiens, c'est-à-dire de ne pas prendre soin de l'intérieur de la coupe et d'afficher des apparences extérieures flatteuses. C'est ce qu'il nous rappelle dans Matthieu 23, 25. « Pharisien aveugle, lui dit-il, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. » Certains chrétiens vivent selon le principe de l'arbre de vie, d'autres selon le principe du bien et du mal. Certains alternent ces deux principes. Mais ce que Dieu désire, c'est que nous nourrissions exclusivement à l'arbre de la vie. Car comme son nom l'indique, c'est là qu'il y a la vie. Il est la source de la vie. Et Jésus est venu afin que ses brebis aient la vie, et la vie en abondance. Amen. Marcher par la foi, c'est marcher d'après la vie qui est en nous. C'est marcher selon nos sentiments, nos raisonnements, ou d'après la loi. Or, Galates 5,16 nous rappelle que marcher selon l'esprit, il nous recommande de marcher selon l'esprit, c'est-à-dire selon la vie, afin que nous n'accomplissions pas les désirs de la chair. L'esprit et la chair sont opposés afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions. Paul établit comme principe fondamental que le juste vivra par la foi. En fait, il reprend le passage d'Habacuc 2,4. Il dit « Le juste vivra par la foi » qui est en fait le thème central de la Bible. Non pas simplement qu'il sera sauvé par la foi, mais littéralement qu'il vivra par la foi. Et lorsque vous devenez un croyant, vous entrez littéralement dans une école de foi. Et Dieu cherche la foi parmi son peuple. C'est pour cette raison qu'Abraham est appelé le père de la foi. Il est l'exemple de celui qui a gagné la faveur de Dieu. Était-ce à cause de ses œuvres ? Non. Non, c'est parce qu'il a cru à Dieu. Il a placé sa confiance en lui et cela lui fut imputé à justice. Donc Dieu l'a justifié par cela. Il a bien sûr aussi commis des erreurs. Il est descendu en Égypte alors qu'il n'aurait pas dû. Il a menti au sujet de sa femme. Il a mis sa vie et son honneur en danger. Mais ce que nous retiendrons d'Abraham, c'est qu'il a cru à Dieu. Et il est très difficile de trouver des gens qui vont ainsi marcher de nos jours. Parce que nous voulons savoir exactement comment les choses se passeront avant de faire un pas, avant que le Seigneur nous appelle. Et nous voulons avoir toutes les cartes en main avant de nous engager dans un projet que Dieu nous a montré. Ce n'était pas le cas d'Abraham. Abraham est parti sans savoir où il allait. Il a fait confiance à Dieu. Notre victoire donc sur le monde, c'est notre foi. C'est par elle que nous devons fonctionner.
Lorsque vous devenez croyant par la foi, ce n'est que le commencement. 1 Pierre 1,5 nous le dit de cette façon, nous sommes gardés par la puissance de Dieu, par le moyen de la foi. Qui nous garde tous les jours? La puissance du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui active cette puissance? Eh bien, c'est notre foi, et uniquement la foi. Et plus vous essayerez par vos propres forces, pire ce sera. Alors, le christianisme, c'est avant tout la vie. C'est consulter la vie qui est en nous. Vous pouvez aussi remplacer le mot vie par Saint-Esprit. C'est consulter la vie qui est en nous, que nous avons reçue à notre conversion dès que nous agissons. Ce n'est pas se demander si une chose est bonne ou mauvaise. Dieu nous a donné une nouvelle vie intérieure à notre conversion. Que nous dit-elle? Parce qu'elle nous parle, cette vie. Nous avons donc reçu un nouveau principe de vie. Mais si nous le négligeons, ou s'il dort en nous, nous allons fonctionner selon le principe du bien et du mal. Or, le christianisme, c'est une question de vie, et non une question de vivre selon des règles. Dans 2 Corinthiens 13, 5, Paul nous dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » C'est-à-dire, posez-vous la question, est-ce que je marche par la foi? Ne reconnaissez-vous pas que Jésus est en vous? Si Christ est en nous, eh bien, sa parole en nous produit la foi. Et nous devrions alors aussi marcher par elle. La vie chrétienne est basée sur une vie intérieure. C'est ce que nous disait Jean Geiler de Kaisersberg, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a été prédicateur à la cathédrale de Strasbourg pendant 32 années. Il prêchait à 6 heures tapantes le dimanche matin. Il fallait mettre son réveil. Hein, là. Moi, je ne sais pas, il n'y avait pas de réveil à l'époque. Mais il y avait des coques. Ils étaient bien réglés. Donc, c'était juste avant la réforme, il disait qu'il n'y a de vraie vie chrétienne qu'intérieure. C'est à l'intérieur que tout se passe. Tout le reste, les apparences, le paraître, que ce soit au travers de nos paroles ou de nos actes, Dieu n'en a que faire. Dieu regarde à ta foi. Le christianisme, c'est une vie qui vient de Dieu et qui n'est pas bâtie sur un ensemble de règles concernant le bien et le mal. Sinon, nous allons ressembler au monde et à ses principes de fonctionnement. C'est pour cela que les chrétiens sont différents des non-chrétiens. Jésus dit en parlant de ceux que le Père lui a donnés, « Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Car si nous ne sommes pas différents des non-chrétiens, on ne leur donnera jamais envie de devenir chrétiens. Jésus, dans son ministère terrestre, n'agissait pas et ne pensait pas selon sa nature humaine, mais selon la norme de l'arbre de la vie. C'était l'Esprit de Dieu et son amour qui guidaient ses actes. Jésus n'a jamais loué quelqu'un pour sa sainteté. Quand il louait quelqu'un, c'était pour sa foi. Jamais je n'ai trouvé en Israël une aussi grande foi, dira-t-il au centenier. Nous ne devrions donc pas déterminer si une chose est bonne ou mauvaise en la soumettant à la critique humaine, mais nous devrions laisser agir en nous l'esprit de vie qui va nous guider. Certains chrétiens examinent soigneusement les choses avant d'agir, s'ils doivent les faire ou non. En faisant comme ça, ils s'estiment être de bons chrétiens. Mais ce n'est pas ainsi que nous devons fonctionner. Si vous vous levez le matin en vous disant « Aujourd'hui, j'ai essayé de faire plein de bonnes choses. Je vais faire ma BA. » BA, c'est une bonne action. Eh bien, mes amis, vous avez tout faux. Car en agissant ainsi, vous marchez par la chair. Or, Paul nous prévient dans Galates 5, 16, « Marchez par l'esprit » et vous n'accomplirez pas
des désirs de la chair. Je ne dis pas que de faire une bonne action, c'est mal. Hein. Vous avez une petite mamie à traverser la rue, c'est bien. Il n'y a pas de souci. Mais nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Quand Paul dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé », ça ne veut pas seulement dire croire qu'il est vivant ou croire à l'authenticité de ses miracles. Mais c'est placer notre confiance en lui, nous laisser guider par lui, le laisser vivre en nous. Car ne pas fonctionner ainsi, c'est finalement laisser Jésus sur la touche, de côté. Ce serait quand même pas normal de dire qu'il vit en nous, mais qu'il n'ait rien à dire. La norme qui est supérieure à celle du bien et du mal, eh bien, c'est la norme de la vie. Le but de cette réflexion n'est pas de stigmatiser ceux ou celles qui fonctionnent selon le principe du bien ou du mal, mais de leur faire prendre conscience qu'ils ont, en tant que chrétiens, la vie nouvelle en eux-mêmes, mais qu'ils ne l'utilisent pas. Peut-être par ignorance, par manque d'entraînement, et qu'ils devraient faire prendre vie à cette vie intérieure afin qu'ils puissent fonctionner selon le principe de l'arbre de la vie. Et pour cela, eh bien, nous avons besoin de crier à Dieu afin qu'il réveille cette vie qui sommeille en nous. C'est ce que Paul nous rappelle dans 1 Thessaloniciens 5,19 où il dit « N'éteignez pas l'esprit ». On pourrait aussi dire « ne laissez pas s'éteindre l'esprit qui est en nous ». Ne le laissons pas s'éteindre. Cet esprit est peut-être en veilleuse, mais il faut qu'il devienne un feu dévorant. Amen. Alors on va prendre un exemple concret. Sur la montagne de la Transfiguration, Moïse et Élie étaient là avec Jésus. Moïse représentant la loi et Élie les prophètes. Ces deux principes étaient là réunis avec Christ. Mais Dieu a dit à Pierre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Écoutez-le, c'est-à-dire soyez sensible à sa vie qui est en vous. À sa voix qui peut vous dire bien plus que tout ce que nous pouvons trouver dans les évangiles. Les évangiles et les textes sacrés sont figés et s'adressent à un grand nombre de personnes, mais la vie intérieure s'adresse à nous en particulier. Elle est personnelle. Ce que Dieu va te révéler ou le Saint-Esprit va te révéler, ce n'est pas pour une autre personne, c'est pour toi personnellement. Ça correspond à ton cas, à ta vie, à tes problèmes. D'où l'importance d'être en communion et en contact permanent avec sa vie. La norme pour la vie chrétienne n'est non plus la loi et les prophètes, elle est Christ qui vit en nous et qui nous donne sa vie. En devenant chrétien, Dieu ne nous a pas donné un nouveau décalogue, ni un catalogue d'ailleurs. Fais pas ci, fais pas ça, fais ça, fais ça. Touche pas à ci, touche pas à ça. En fait, tout ce que la vie demande, ce que nous fassions, en vaut la peine, croyez-moi. Et tout ce que nous faisons sans la vie, même si c'est une bonne chose à nos yeux, ne pourra nous apporter que de la frustration. Même un sentiment de culpabilité. Si nous avons la vie de Dieu en nous, elle nous montrera que ses exigences sont plus élevées que la loi humaine. Et il deviendra alors très facile de vivre la vie chrétienne. Nous n'aurons plus à nous poser la question « Est-ce que j'ai bien fait de faire cela ou cela ?» Si nous vivons selon ce principe, nous verrons un grand changement dans notre vie. Pour cela, nous avons besoin que la vie de Dieu nous remplisse et que nous faisions appel à elle dès que nous nous mettons à fonctionner, c'est-à-dire dès que nous agissons pour le royaume de Dieu, pour le ministère ou pour tout ce que nous faisons pour Dieu.
C'est la vie intérieure de Dieu qui doit nous guider et nos décisions seront alors conformes à sa volonté. Si nous commençons à regarder avec nos sentiments, avec nos yeux ou aux circonstances, nous allons sortir de sa volonté. Dès qu'un chrétien commence à réfléchir, à raisonner, à regarder aux circonstances, à l'opposition, il sort progressivement puis complètement du plan de Dieu pour sa vie. Parce qu'il marche alors par la vue. Nous avons l'exemple d'Abraham et de Sarah, à qui un fils avait été promis. Mais Sarah, elle s'est dit, attends, ça ne va pas être possible. Mon Seigneur, il est âgé, moi, il n'a plus de désir, moi, je suis âgé aussi. Donc, elle a regardé aux circonstances. Elle s'est mise à raisonner dans son cœur, à regarder à sa stérilité. On connaît la suite. On marche alors par la vue. On veut aider Dieu. Mais ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. La vie intérieure guide nos décisions et nos actions. Elle ne détermine pas les actions des autres, mais nous permet de discerner en dehors de nous tout ce qui est de la vie ou pas. De pouvoir, par exemple, avertir aussi tel frère ou sœur. Car nous avons aujourd'hui besoin, plus que jamais, de discernement. Plus que jamais, en ce qui concerne le monde qui nous propose. Tout ce que le monde nous propose, mais aussi au sujet de la doctrine qui subit des influences néfastes et insidieuses. L'arbre de la vie est cité dans la Genèse et dans l'Apocalypse. C'est bien. Tandis que l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'y est par contre plus mentionné. Mais l'arbre de la vie n'a pas disparu. Il existe toujours. Et ce qui montre que Dieu désire que nous fonctionnions d'après la vie et désire aussi que nous marchions selon ce principe. Le monde fonctionne selon la norme du péché et le chrétien doit fonctionner selon la norme de la vie et non d'après celle du bien et du mal. Alors que le Seigneur nous rende attentifs, vigilants quant à ce principe, et nous apprennent à bien fonctionner. Nous sommes tous des fonctionnaires, appelés à être des fonctionnaires dans le royaume des cieux, dans notre ministère que nous accomplissons. Et nous avons vraiment besoin de son aide. Alors, je vais terminer par la prière. Seigneur, tu es un Dieu merveilleux et tu veux que nous recevions le meilleur de toi. Tu as prévu le meilleur pour nous, Seigneur. Et nous voulons ce matin encore te demander ton aide afin que nous puissions, comme il a été dit, bien fonctionner dans ton royaume. Aide-nous, Seigneur, à y voir clair. Aide-nous, Saint-Esprit, à réveiller cette vie qui est en nous, mais que nous n'utilisons peut-être pas à 100%. Car ton désir, Père, c'est que nous marchions par la vie, que nous utilisions le Saint-Esprit, que chaque jour nous faisions appel à lui, que nous l'invitions dans notre vie. Nous avons tous déjà été dans notre vie comme Lot, marchant par la vue, et nous t'en demandons pardon. Fais grâce, Seigneur, et aide-nous à marcher selon la foi, selon la vie nouvelle que tu as mise en nous. Fais-la grandir en nous. Aide-nous à la développer, à la mettre en œuvre, afin que nous puissions être agréables chaque jour, marcher en nouveauté de vie, et selon ton bon plaisir et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, je voudrais vous rappeler qu'après le culte, il y a l'espace Oasis. Vous pouvez venir pour vous avez juste envie de parler, de partager, ou alors qu'on prie pour vous, que quelqu'un prie pour vous. N'hésitez pas, c'est là pour ça. Voilà. Soyez bénis. Si on prenait un dernier chant.
pour se quitter. On est d'accord ? Pas de réponse. Les gens sont endormis. Allez, on se lève et puis on prend ce dernier chant. Et... là, comme ça. Good.
Merci à vous. Passez un bon dimanche. Soyez bénis. Et que Dieu vous garde au retour de ce culte et durant toute votre semaine. Au revoir.